pour cette coupure qui est due le logiciel, la mise à jour, que même le PC que j'ai négligé comme ça, lorsqu'on néglige les choses, donc on va commencer, recommencer là, ce que j'étais en train de dire. Voilà, et puisque aussi je crois que l'autre vidéo était plus court, donc j'ai dit avant, bon, vert, luminosité et contraste. Parce que la luminosité, c'est bon. Pour chaque vidéo, s'il n'y a pas la lumière, cet effet, ça rend la vidéo plus claire, c'est bon. Je vous conseille. Il y a ici la luminosité, par exemple, si vous voulez ajouter, voilà, ça dépend, baisser, ajouter. Il y a les contrastes, regardez, vous pouvez ajouter les contrastes. Et pour avoir plus clair, il y a en bas la gamma HDR. C'est pas la gamma, mais gamma HDR. Regardez l'effet de gamma HDR. Ça donne de la brillance, ça donne pas beaucoup. Et on peut changer un peu les contrastes, soit, regardez, ça dépend de vos besoins, comment voulez-vous que votre vidéo soit transmise. Ah, pardon. Désolé, ça fait long. Oui, un peu fatigué. Désolé, mais je dois refaire. Lorsqu'on est seul, désolé, c'est comme ça. Du café. Je refais. Donc on va passer le découpage une autre fois. Je vais essayer d'accélérer pour ne pas prendre de votre temps, beaucoup de temps. Voilà, comme j'ai dit, le ciseau découpé et on passe un peu en avant la séquence qu'on doit découper. Voilà, j'ai découpé. On appuie toujours avec la droite, supprimer. On appuie, ah pardon, par la gauche, et on glisse. Voilà, et les glisser pour la transition. On passe aux effets. Voilà, les effets, au modèle, pardon. Voilà, ça va nous donner au premier choix les transitions. Il y a d'autres effets, mais pour nous, c'est la transition. Voilà, il y a différents choix, mais pour moi, je choisis la première, toujours en appuyant avec le doigt gauche. Voilà, et je mets entre. Il me demande OK. Voilà, elle est mise. Donc, pour passer un peu, voilà comment c'est cette transition entre les deux séquences de vidéo. Comme je vous ai dit, il y a le sous-titre. Donc, le sous-titre, on appuie toujours sur modèle. Ça nous donne, pour nous, c'est le générique début. Voilà, ça nous donne tous ces choix. On va choisir, par exemple, n'importe quel générique. Voilà, on met celui-là seulement pour accélérer. Désolé pour les fautes que j'ai, parce que je n'ai pas appuyé pour transmettre toute cette explication. Voilà, ça nous donne ce titre qui est déjà, ça s'est fait un modèle. Donc, on le supprime, on fait bonjour, n'importe quel titre qu'on veut, et on appuie sur cette icône-là pour qu'on affirme, qu'on confirme. Et voilà, le titre est là. Oui, parce qu'il faut un peu au milieu pour que ça se voit, parce que c'était le début de la vidéo. Et pour la couleur, nous avons ici, lorsqu'on écrit, ça s'ouvre cette fenêtre pour le titrage. Donc, pour la couleur ou la forme. La grandeur, on a là, c'est 45, on peut soit diminuer ou ajouter comme on veut, comme vous pouvez voir là.
Donc moi, je laisse par exemple à 66. Même pour les polices, comme vous pouvez voir, il y a différents choix de police. Voilà, on fait les polices qu'on veut. Différents choix, par exemple. Et pour la couleur, on appuie ici sur ce carreau blanc qui va ouvrir cette fenêtre. Et voilà, on peut choisir n'importe couleur en appuyant automatiquement ici. Voilà. Ici, de plus qu'on va à la droite, c'est plus sombre. Et de plus qu'on va ici, ça devient clair. N'importe quelle couleur que vous pouvez choisir. C'est des infos que je partage avec vous. Et pour l'animation, voilà, animation ici, il n'y a aucune. Je peux mettre du bas vers le haut, par exemple, et je commence dès le début. Voilà comment va se passer. Et il va monter puisque la vidéo est sous la table de montage automatiquement. Et pour le son, pour récupérer mes fautes. Donc le son, comme j'ai dit, on va aller appuyer sur effet toujours par le doigt gauche. Il y a audio, effet vidéo, on va à l'effet audio. Et il y a nettoyage audio. Nous, on a besoin, par exemple, de diminuer le son. Donc, il y a volume. Lorsqu'on appuie sur... Ah, il faut d'abord sélectionner la vidéo. Pardon. Et voilà. Il est déjà... Le volume est bas. Si je veux le augmenter, si je veux le mettre au milieu, sinon, si je veux... définitivement qu'il soit à zéro. Voilà, elle est là, la vidéo. Elle n'a pas de son, vous pouvez entendre, pas de son. Vous pouvez ajouter n'importe quelle musique que vous avez, à condition, il faut respecter le droit d'auteur avant tout pour ne pas être. Même pour des nobles causes, il y en a. Le droit d'auteur, c'est droit d'auteur. On va procéder toujours en cherchant dans les dossiers. Voilà. Par exemple, pour moi, je vais voir si j'ai des dossiers. Voilà. Il y a assez. Ça, c'est de l'audio. C'est le mien. Donc, je peux sélectionner et de la même manière, on peut le prendre, le glisser directement. Voilà, on peut le glisser et le glisser là. On peut, par exemple, s'il dépasse la vidéo, on va voir. On peut même rendre plus. Voilà, il ne dépasse pas la vidéo. Si on peut le dupliquer. Sinon, on peut ajouter une autre vidéo comme la méthode. Et voilà, si on peut le dupliquer, voilà, en le sélectionnant par le doigt gauche et en appuyant par le côté droit de la souris, automatiquement, la fenêtre s'ouvre. Comme supprimer, il y a copier les objets. Voilà, on sélectionne. Et on vient, on appuie toujours là où on veut que l'objet sélectionné soit copié, soit là, même ici par exemple, soit je vais le mettre ici pour mieux, et on va ici à éditer. Sinon, tout simplement, on appuie sur CTRL plus V, et voilà. Elle est copiée là, soit par cette méthode, sinon, voilà, la deuxième, c'est comme ça, on met là où on veut être copié, et voilà, et on appuie sur coller les objets. Voilà, elle est collée. On n'a pas besoin de ça, toujours on le sélectionne avec le doigt gauche, et on appuie avec la droite.
et on le supprime. On a un peu ici un peu d'audio qui est de plus. On peut la sélectionner de la même manière. On appuie sur le ciseau, on appuie sur découper après que la fenêtre s'ouvre et toujours de la même manière, supprimer. Donc, si on veut ajouter un titre à la fin ou quelque chose comme ça, c'est comme le générique du début. Alors maintenant, c'est pour exporter. Pour exporter la vidéo comme une vidéo qui doit être transmise ou diffusée ou partagée. Donc, on vient ici sur Fichier, on appuie toujours avec le doigt gauche. Ça s'ouvre cette fenêtre-là. Il y a exporter le film. Sans appuyer, ça s'ouvre, mais on appuie. Ah, pardon, on appuie exporter. Voilà. Il y a tous les formats, mais c'est préférable le format MPEG-4 parce que la plupart des appareils réalisent. Voilà, on appuie sur une autre fenêtre s'ouvre. Maintenant, il y a plusieurs choix pour l'encodage de la vidéo. Ça dépend de la manière d'utilisation. Si vous voulez une vidéo un peu moins de volume, ça veut dire il y a la qualité et il y a d'autres choses, ça passe. Donc pour volume de moins, il y a en bas web, la résolution 1280 sur 720, ça veut dire une petite résolution. La résolution, c'est l'écran de sortie. Là, par exemple, de la télé, il y a 19K. Ça dépend de l'écran. Il y a différents choix. Il y a 1280, 720, il y a de plus qu'on monte, il y a même la Full HD 1980 sur 1080 et c'est préférable aussi. Il y a la 4K, c'est 4096 sur 2160, mais on va chercher la moindre. Mais comme c'est votre choix, comment vous voulez éviter par exemple la NF, il y a une autre, mais c'est préférable de choisir ces flux-là, ces formes-là, parce que ça se lise sur c'est du PAL, donc ça se lise sur tous les lecteurs. Et lorsqu'on choisit, par exemple, on choisit Full. Ça a 30 parce que il y a comment dire la rapidité de l'image, on choisit 30, c'est normal, et donc pour que la plupart la lisent. On vient ici, il y a où ici au milieu, il y a où vous voulez que la vidéo soit enregistrée. Pour moi, je vais l'enregistrer par exemple sur T. Je vais lui donner 123 par exemple. Et voilà. C'est l'MP4 mieux que l'autre forme. Et on appuie sur OK. Une autre fenêtre va s'ouvrir. Ajuster le film. Oui, on l'ajuste pour la résolution, pour qu'il soit clair. Voilà. Et lorsqu'on appuie sur ajouter, et voilà, ça s'ajoute comme ça. Par ailleurs, je choisis 50 FC. Donc, ça se ferme tout. On doit refaire comme ça, exporter le film parce qu'il est déjà mis en bonne résolution. On doit maintenant, voilà, on doit refaire la même. J'ai choisi 50, voilà 50.
Donc, voilà, par exemple, je fais comme ça, mais pour qu'il soit OK. Et voilà, il y a une petite, c'est pas maintenant, ça reste un peu de vide à 30, à la minute 31-57, mais ignoré parce que c'est pas. Voilà, il va se mettre à son coder. Ça demande du temps, ça dépend avant tout du PC, s'il est plus rapide ou non. C'est mieux d'avoir avec ces logiciels, d'avoir un PC un peu rapide. C'est comme ça. Et aussi de la RAM et tout ça, mais voilà, ça commence à s'encoder. Donc, pour l'instant, je vous dis merci d'avoir suivi. S'il y a des questions, n'hésitez pas. On est à votre, je suis à votre service, mes amis. C'est comme ça. On essaie d'être solidaire avec tout le monde et on passe du temps avec vous. Merci d'avoir suivi. Et merci d'avoir patienté. Je vais prendre la vidéo et découper là où je parlais seulement. Donc, merci. Je vais la remettre pour avoir.